Eh bien, nous voilà toujours sous le beau temps, de retour pour la REF 21. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site ref.org, sur le site Biobos TV, e-commerce.fr et e-marketing.fr. Voilà, pour retrouver tous nos débats. On parle digital et on va parler digital avec Philippe Lambert. Philippe Lambert, vous êtes vice-président du groupe Les Verts en Europe. Co-président, en réalité. Co-président, pardon. Un homme, une femme, comme d'habitude chez Les Verts. Je vous ai promu d'office, alors vous venez, vous allez beaucoup nous parler d'Europe pendant la grande session. Mais là, Philippe Lambert, moi j'aimerais parler avec vous un petit peu de transformation digitale et notamment de l'impact environnemental de la transformation digitale. Exactement. Je crois que, bon, on a tous maintenant, on est tous plongés dans ce monde digital, on a tous un smartphone, on est devenu dépendant à ces technologies qui nous apportent aussi beaucoup de valeur. Mais on a tendance à parler de la révolution digitale comme d'une dématérialisation, comme si ce qui devenait électronique n'avait plus d'impact matériel, y compris écologique. Alors que derrière ces technologies, il y a des métaux rares dont l'extraction coûte beaucoup environnementalement. Et puis, il y a aussi une débauche d'énergie qu'il faut pour faire tourner toutes ces machines. Qu'il s'agisse des crypto-monnaies, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse de toutes ces applis qui font partie de notre quotidien, eh bien, il y a énormément d'énergie là derrière. Et donc, il faut faire attention, quelque part, de ne pas tomber de caribe dans Scylla. On passe au digital pour éviter une empreinte écologique et finalement, on se retrouve à l'augmenter encore parce qu'on utilise de manière trop indiscriminée la ressource électronique. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait concrètement faire pour justement limiter cet impact du digital ? Parce qu'on voit bien qu'avec la 5G, voire la 6G, avec le très haut débit, ça va pas beaucoup s'améliorer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et là, on revient aux recettes d'abord de marché. Autrement dit, ben, il faut que l'énergie ait un coût tel que tous les utilisateurs d'énergie, y compris le secteur informatique et télécom, soient sobres dans leur utilisation d'énergie. C'est évident que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et plus l'énergie sera chère, plus on fera attention à la manière dont on l'utilise. Et c'est sûr qu'on prend toujours cet exemple. Si la 5G doit servir à télécharger Game of Thrones dans le métro, ben, ce n'est peut-être pas le meilleur usage de la ressource. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'arriver à des buts de distribution de matériel audiovisuel. Donc, je pense que le signal prix est très important. C'est évident, mais par ailleurs, il faut se rendre compte aussi que l'Europe va devoir devenir un peu plus autonome en matière de ressources nécessaires au secteur informatique et télécom. Autrement dit, tous ces métaux rares qui sont utilisés aujourd'hui sont des métaux pour lesquels nous sommes absolument dépendants de pays comme la Chine. Et je pense que géopolitiquement parlant, ce n'est pas une situation extrêmement confortable pour les Européens. Et là, je crois aussi qu'il y a une réflexion à avoir dans cette transition digitale pour que l'Europe marche plus sur ses propres pattes plutôt que de devoir dépendre systématiquement de puissances étrangères dont toutes ne nous veulent pas du bien non plus. Alors justement, vous aviez parlé de télécharger Games of Thrones dans le métro. Comment on peut justement appréhender ces problèmes de transformation digitale tout en respectant les libertés publiques ? Parce que finalement, ça en vient à juger de l'usage de chacun. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas décider à la place de l'utilisateur ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Par contre, c'est vrai que cette révolution digitale a des enjeux majeurs en termes de liberté fondamentale, puisque, et on le sait, beaucoup d'ouvrages se sont déjà écrits là-dessus, l'omniprésence du secteur digital dans nos vies fait que potentiellement, nous nous retrouvons sous la surveillance combinée ou séparée à la fois de grandes entreprises et de l'État. Et une des dimensions fondamentales de la démocratie est justement le respect de la vie privée et des libertés fondamentales. Autrement dit, est-il bon qu'une entreprise privée ou l'État sache ce que vous avez dans votre frigo, ce que vous lisez, les films que vous regardez? Je ne pense pas que c'est sain. Et donc là, on a un processus législatif qui est en cours qui s'appelle, ce sont deux textes législatifs au niveau européen, le Digital Services Act et le Digital Market Act, donc la loi sur les services numériques et la loi sur le marché numérique, qui vont cadrer l'usage que l'on peut faire des données personnelles. Je suis assez d'accord avec la commissaire européenne en charge, Margrethe Vestager, pour dire que la voie chinoise du digital, c'est la voie de la surveillance généralisée par l'État. La voie américaine du numérique, c'est la surveillance généralisée par des grandes entreprises. Je pense que l'Union européenne, là aussi, doit imprimer sa marque à la manière dont nous utilisons les technologies numériques, qui respectent
les libertés à la fois du citoyen comme citoyen, mais aussi comme consommateur ou comme travailleur. Autrement dit, que nous appliquions les technologies numériques d'une manière telle qu'elles respectent les libertés fondamentales des humains. Il y a un équilibre à trouver qui, je pense, est propre à l'Europe et qui n'est pas celui trouvé en Chine ou aux États-Unis. Eh bien, on sera amené certainement à reparler de tous ces sujets, notamment de la vision européenne de ces sujets. Philippe Lambert, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe des Verts au Parlement européen et que je sais que vous allez débattre sur ces sujets en plénière. Absolument. Donc merci beaucoup d'être venu nous en parler.